Je m'appelle Vincent Tournery, je suis le fondateur de Seaturns qui développe un système de récupération d'énergie des vagues pour faire de l'eau douce et de l'électricité. La solution Seaturns, c'est un simple cylindre posé sur la mer qui se met en rotation sous l'action des vagues. Ce mouvement crée un flux d'air à l'intérieur du cylindre qui fait tourner une génératrice pour faire de l'électricité ou une pompe pour faire du dessalement d'eau de mer. Quand vous êtes face à l'océan Atlantique, l'énergie des vagues moyennes, c'est une voiture qui va à 100 km/h qui fonce sur vous toutes les 5 secondes. Donc il ne reste plus qu'à l'utiliser. Pour mener à bien ce projet, on a encore une phase de 18 mois de recherche et développement avec des phases de simulation, des phases d'essai en bassin. Cette phase va déboucher sur un prototype que l'on pourra essayer, tester en mer avant bien sûr une phase de commercialisation. Être sélectionné au trophée de l'avenir européen, c'est un moyen de se faire connaître, de trouver des investisseurs, des partenaires et des collaborateurs.